Yop les potes, c'est DiscusNec, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon petit setup pour Farming Simulator 25. On n'attend plus que la sortie, on est à quelques jours à l'heure où vous devrez voir cette vidéo. On n'est plus qu'à quelques jours, même pas une semaine de la sortie du jeu. Je vous le dis dès que ça sort, vu à quel point je vois comment vous adorez ce jeu, enfin que vraiment vous êtes hype, tout comme moi. Je vous fais cette petite vidéo, on va live dès que la sortie du jeu sera annoncé. Enfin, c'est déjà annoncé, mais dès que c'est la sortie du jeu, je vous ferai des lives, je vous ferai des vidéos, de la carrière suivie, on fera de tout. Mais je vous dis, franchement, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Et on est parti tout de suite. Bon, et nous voilà du coup maintenant pour cette petite vidéo. Je vais vous expliquer tout simplement, juste bêtement, mon volant, plus mon clavier, et ma souris, et quelques rêves du PC pour Farming Simulator 25 et l'écran. Peut-être le micro. Ça dépend, et ouais, je vais voir. Mais franchement, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Alors, d'abord, première chose, déjà vous montrer le truc le plus important, la chaise. Pour ceux qui connaissent la marque, Siwoo, super chaise. Chaise ergonomique, bien sûr, pour le dos, parce que si jamais vous... Si jamais, je vais le répéter, je sais pas combien de fois, mais pour votre dos, les gars, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est non seulement ultra agréable, et en plus, c'est incroyable. Les chaises ergonomiques, les gars, je vous jure, ça vous sauve le dos. Du coup, le petit volant, un petit Logitech, vous n'avez pas besoin de savoir, il est sur la chaîne YouTube, il y a la vidéo au pack opening. Je l'ai eu personnellement pour 240 euros au lieu de 400. Franchement, quand vous l'avez en promo comme ça, sautez sur l'affaire, les gars. Que ce soit le Thrustmaster T248 ou le Logitech G923 comme moi, super volant. Les deux, ils sont à peu près équivalents. Mais franchement, ils sont incroyables, tous les deux. Tous les deux, ils ont les mêmes caractéristiques, à part que le Thrustmaster, il a un petit écran juste là. Et voilà. Et que s'il prend plus de place. Mais bon, chacun ses avantages et ses défauts. Alors, pour le PC, on a une petite RX 7600 XT de chez Gigabyte, comme vous pouvez le voir. Et pour le processeur, on a directement un i5 12400F pour 32 Go de RAM. En DDR4, tout le reste, tout ça sur une carte mère Asus et dans un boîtier Asus. L'écran, un petit Core UI 25 pouces, plus précisément 24,5, en 165 Hz sur support écran. Je sais pas la marque. Un support écran, tout simplement. Un petit support écran et tout, sympatoche, franchement, on dirait ça vous donne vraiment un effet où ça flotte et ça vous donne de la place, c'est incroyable. Du coup, il est en 165 Hz, 24 pouces, comme je l'ai dit, en 24,5. Et il est en Dalvea et en Full HD. Franchement, super écran. Surtout ces derniers temps, j'ai vu que, comparé à quand moi je l'ai acheté, j'ai dû le payer 150, 160. Ces derniers temps, vous l'avez facilement pour 120, même pas. Franchement, cet écran, il est incroyable pour le prix. Je l'ai gardé un an passé. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, je vais changer, mais c'est pas le principal. Pour Farming Simulator 25, en tout cas, pour dès le début, ça va vraiment être un super écran. Le PC aussi, je devrais pouvoir faire tourner comparé à certains. Le petit clavier, on a un RK Royal Clutch RK61, souris Klim Blaze Pro, sans fil, wireless, avec pour seulement 50 euros, hein, je vous le dis, les gars. Après, pour certains, ça va être un budget. Mais franchement, si jamais vous avez le budget, ça change du câble. La petite souris sans fil, qu'on peut quand même brancher si on veut d'ailleurs. Avec, pour seulement 50 euros, c'est ça que je dis, vous avez direct le dock de charge. Je vais tout de suite vous montrer, c'est direct aimanté. Genre, hop. Vous voyez, je peux vraiment prendre la souris, la lâcher. Hop. Et elle tient toute seule. C'est vraiment le dock, il est aimanté. Il y a du RGB en dessous. Vous pouvez le changer, hein. Faut que je trouve le bouton, bien sûr. C'est en dessous. Regardez. Vous pouvez changer le RGB et franchement, il est incroyable. Alors rien que la souris, le dock, c'est déjà incroyable. Tapis de souris Titan Wolf, marque de chez Amazon. Et le micro, un petit Nortec. Et je vous montre pas le reste du setup parce que ce sera dans une des prochaines vidéos qu'on aura où je vous montrerai quand j'aurai totalement fini le setup. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu juste avant Farming Simulator 25. Allez, je vous laisse directement avec l'outro. Salut les gars, c'était DiscuSnake.